Bienvenue à notre dialogue virtuel avec Pascal Obolo et Assumpta Mugiraneza suite à la vidéo-performance Decolonize Architecture Now de Pascal Obolo que vous venez de voir. Pascal Obolo, originaire de Yaoundé, Cameroun, est réalisatrice et curatrice, ainsi que fondatrice et éditrice du magazine d'art Africada. Elle dirige également la African Art Book Fair, un salon d'édition indépendante qui soutient la pratique rédactionnelle et des publications uniques. Elle a fait ses études au Conservatoire libre du cinéma français et est diplômée en cinéma expérimental de l'Université Paris 8. La réalisatrice féministe Pascal Obolo porte sa propre perspective sur le rôle de la femme dans les arts. Ses films ont gagné de multiples prix. En tant qu'activiste, dans son travail, elle questionne la mémoire et se consacre au sujet de l'identité, de l'exil, de l'invisibilité. Pascal Obolo se dit passionné de produire et mettre en scène des objets filmiques pour les arts plastiques, car elle rejette se faire mettre dans une case spécifique des genres de films. En 2013, son film Calypso Rose, la lionne de la jungle, gagne le prix Argenté Yenega au festival FESPACO dans la section documentaire. Dans son travail récent, elle questionne des archives à travers la construction des histoires dans une perspective postcoloniale par la représentation visuelle et culturelle de l'histoire politique et économique en utilisant la photographie, la vidéo et la performance. Dans ses récits, elle focalise sur la mémoire et son impact sur nos sociétés d'aujourd'hui. Nous sommes heureuses, Pascal, d'échanger autour de ces sujets aujourd'hui avec vous, à partir de la vidéo-performance Decolonize Bismarck's Fountain, Living Archive Part 1, qui est la plus récente partie de Decolonize Architecture Now. Merci d'être avec nous, Pascal. Je suis également heureuse et très honorée d'inviter Assumpta Mugiraneza de se joindre à nous et de réagir à l'œuvre de Pascal Obolo. Assumpta Mugiraneza, sociologue et psychologue de formation, est intellectuelle franco-rwandaise. Elle est la cofondatrice et la directrice du centre Iriba pour le patrimoine multimédia à Kigali, au Rwanda. Elle mène ce centre d'archives audiovisuelles afin de créer et offrir un espace de parole, de dialogue et pour accompagner le processus de réappropriation du passé. Le centre Iriba est accessible à tous librement et gratuitement et se situe à l'intersection entre l'académique et la pratique de terrain. Il conçoit et accompagne des programmes psychosociaux, pédagogiques, ainsi qu'artistique pour retisser les liens intergénérationnels et donner la libre parole aux jeunes. Pascal et Assumpta, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous. Je m'appelle Katharina Hay, je suis actuellement la directrice du Goethe-Institut à Kigali au Rwanda et j'ai le plaisir de vous accueillir. Pascal, pour entamer notre conversation et suite à la vidéo-performance que l'audience vient de voir, voudriez-vous nous décrire brièvement le cadre dans lequel s'intègre votre performance Decolonize Bismarck's Fountain? S'il vous plaît. Merci beaucoup, Katrina, de me donner la parole et je suis en fait aussi très ravie qu'on ait pu en fait montrer en fait ce film qui, en même temps, c'est un film qui fait partie d'un projet global, pluridisciplinaire, effectivement, qui s'appelle Decolonize Architecture Now. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce film est en même temps fait partie d'une séquence d'un projet filmique dont actuellement je suis en fait en construction, en fabrication de réécriture de cet objet filmique. Et ce qui m'intéressait en fait en même temps, c'était comment en fait produire un objet filmique où en fait chaque séquence pouvait être indépendant. Donc du coup, je me suis dit en fait chaque séquence filmique va être construite à partir de récits de performance.
Et du coup, c'est-à-dire que c'est des pièces, en fait, qui peuvent, des séquences qui peuvent exister sans forcément comprendre, sans forcément avoir vu l'ensemble, en fait, de l'objet filmique. Et pour moi, cette pièce-là, elle est centrale aussi dans le projet filmique et aussi importante. C'est pour ça aussi que je voulais la partager avec le public dans le cadre de ce festival. Ce qu'elle quelque part elle représente en fait c'est à partir en fait du monument de Bismarck aussi que quelque part j'ai aussi construit en fait toute je vous dirais le contexte du film. Je vais vous parler un petit peu vite fait déjà juste résumer en fait le projet filmique, comme ça on va rentrer un petit peu plus sur la séquence qu'on vient de voir, dans le sens où, en fait, au départ, j'avais envie de travailler sur les archives, mais plutôt sur les archives vivantes. Et pour moi, les archives vivantes, c'est l'architecture qu'il y a, en fait, dans la ville de Bouéa, où c'est là où j'ai fait mes recherches, c'est là aussi j'ai officié, c'est là aussi il y a le château de Bismarck qui a été construit en 1900. Pendant la période coloniale allemande au Cameroun. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais partir des archives qu'il y a dans cette ville, dans la ville de Boya, et moins aller chercher en Europe, moins aller chercher en Allemagne, parce que, en fait, au départ, j'avais commencé effectivement à travailler à partir des archives qui avaient été produites par les Allemands. Et je me suis rendu compte, en fait, que ces archives-là, c'était pour la grande majorité des archives de propagande et que quelque part il aurait fallu que je fasse aussi un travail comment décoloniser ce matériau, comment en fait déconstruire ce discours de propagande qui était en fait propagé en fait dans ces archives filmiques pour après me réapproprier et construire un nouvel objet filmique. Et donc du coup je me suis dit ben je vais prendre ce que j'ai dans la ville de Boya, je vais essayer de questionner les traces présentes qu'il y a dans cette ville. Et dans cette ville, effectivement, les traces qu'il y avait, effectivement, il y avait les bâtiments, il y avait certains noms de rues, des cimetières allemands, des monuments, et cette grande bâtisse, ce château, où en fait, ce qui était intéressant, c'est que à partir en fait des Allemands, du général von Puttkamer qui avait construit ce château. En fait, tu étais propriétaire du château et ça voulait dire que tu étais propriétaire du pays du Cameroun. Donc, tous les gens, tous les propriétaires qui ont habité dans le château, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la résidence secondaire du président de la République, Paul Biya. Tous les gens qui ont habité dans ce château-là, ils étaient, à un moment donné, ont dirigé le Cameroun. Et du coup, c'était quelque chose, cette architecture qui en même temps incarnait ce pouvoir colonial empirique, j'avais quelque part vraiment envie de travailler vraiment dessus. Et j'ai essayé de réfléchir à différentes façons de travailler, mais le problème, c'était comment en fait travailler sur cette architecture, sur ce château, dans le sens où aujourd'hui, il est impossible de le photographier, il est impossible de le filmer. Et donc, du coup, l'idée, c'était comment artistiquement occuper ce château. Donc, je suis partie, en fait, d'un récit fictionnel qui était de dire, voilà, je vais... L'histoire, c'était ces trois fantômes qui viennent hanter le château parce qu'ils ne sont pas contents de la manière dont leur histoire coloniale est racontée. Et donc, en fait, ils essayent de raconter leur propre version et donc, ils n'y arrivent pas. Et donc, en fait, ils décident de décoloniser les espaces publics qu'il y a tout autour du château pour se réapproprier leur espace, pour aussi en fait recoloniser les espaces qui leur ont été confisqués, et aussi quelque part aussi comment en fait leur corps pouvait être soigné, décolonisé à partir des pratiques performatives. Et le projet en fait, pour un peu résumer dans sa globalité, tourne sur les questions effectivement de corps toxiques, de corps colonial à décoloniser, des espaces publics aussi à recoloniser. Quand je dis recoloniser, dans le sens où
Si on travaille sur le questionnement sur la partie historique de la période coloniale allemande au Cameroun, on se dit il y a des Camerounais aussi qui ont résisté. Il y avait des acteurs politiques, militants, qui ont quelque part se sont battus pour une certaine indépendance pour le Cameroun. Pourquoi ces acteurs-là, on ne les retrouve pas dans les espaces publics? Pourquoi il n'y a pas leurs monuments? Pourquoi il n'y a pas des noms de rue de ces résistants? Pourquoi il n'y a pas des espaces, même un lieu de cimetière avec ces personnalités, avec ces militants-là? Et du coup, cette invisibilisation de ces acteurs-là, pour moi, c'était une forme d'effacement d'une certaine histoire, d'un récit colonial qui, quelque part, m'intéressait. Et aussi, je me suis posé la question de comment on se réapproprie pour proposer des contre-récits par rapport à cette histoire-là. Et donc, je suis aussi partie à partir des fragments, en fait, de récits de familles camerounaises qui, en fait, avaient vécu ou avaient un lien avec cette histoire coloniale allemande. Comme moi, je suis partie de ce projet parce que j'avais une grand-mère, en fait, qui parlait allemand, mais qui avait vécu cette période, mais qui n'avait pas transmis son histoire à ses enfants, à ses petits-enfants. Et donc, c'était quelque chose aussi pour moi que je connaissais très, très peu de cette histoire. Donc, je suis aussi partie, en fait, d'un détail de ma famille, de ce personnage, de cette femme qui, elle avait connu cette histoire, mais de cette trace-là, à partir de la langue, pour pouvoir, en fait, essayer de construire, de racoler des fragments de récits émanant, en fait, des citoyens camerounais. Merci beaucoup, Pascal. C'est passionnant et je pense qu'il y a déjà beaucoup de détails hein, auxquels Assumpta veut réagir. Et donc, Yvan, Assumpta, d'abord, peut-être à votre lecture de la vidéo-performance et ensuite aussi en réaction à ce qu'a dit Pascal. Hein, et ne vous inquiétez pas, je pense, Pascal, vous avez déjà mentionné beaucoup de sujets qui nous intéresse à suivre donc au cours de la discussion ensemble. Assumpta, s'il vous plaît. C'est très émouvant de suivre le travail qu'a décrit Pascal et c'est étonnant parce que si c'est la première fois qu'on se croise, la majorité des termes qu'elle a mobilisés, les orientations qu'elle a données sont des orientations qui résonnent comme si enfin, ici et là où il était. Et donc, je voudrais dire un mot sur cet très, très bel extrait de son film, parce que c'est une manière d'abord d'obliger les gens à s'arrêter. C'est pas ça, on passe tous les jours devant ce genre de monument, on ne s'arrête pas, on ne se pose aucune question. On laisse les choses aller comme si ça avait été toujours comme ça. Donc, ce corps qui a de l'esthétique, qui garde sa dignité et qui s'exprime sans violence aucune, mais qui se réapproprie un espace normalement qui n'est pas le sien et qui se le réapproprie pas d'une manière qui détruit, pas d'une manière qui vient salir, mais une manière qui rehausse à la limite sa propre démarche en disant, regardez, même moi, même noir, même nègre, suis-je tenté de dire, Camerounais, regardez, je peux occuper cette place. Et je ne pense pas que ce serait moins légitime. J'ai trouvé cette parole, cette prise de parole, cette prise de... Oui, c'est une prise de parole, même si ça se raconte par l'image, par le mouvement, par un corps, mais c'est une manière de dire stop, arrêtons-nous un instant et essayons de penser de quoi il s'agit exactement. Maintenant, quand elle replace
cet extrait dans un projet plus grand, ça me donne envie, bien sûr, de suivre ce programme. Mais j'ai envie de dire, c'est très important aussi d'avoir ces petits extraits qui s'auto-suffisent, si je peux me permettre de parler comme ça, et qui pourraient être plus facilement exploités. Parce qu'on parle souvent de décolonisation, on parle de se réapproprier le passé, mais souvent ça reste dans les discours. Et la manière d'y parvenir est de pouvoir partager au-delà des langues, au-delà des frontières, c'est quelque chose qui manque encore. Et donc j'ai envie juste d'applaudir le travail de Pascal et de lui dire surtout, il faut continuer, surtout quand on a la chance de trouver un langage qui n'est pas la langue, parce que tout le monde peut regarder ça. Ça je vous l'envie. Ça, je vous l'envie, parce que c'est le propre aussi des performeurs, c'est qu'ils arrivent à nous dire des choses en dépassant de loin la barrière linguistique, souvent héritée aussi de la colonisation. Donc, dire un mot là-dessus, c'est difficile, mais voilà. Chapeau. Merci Assumpta, merci Pascal. J'aimerais bien suivre donc la trace et le sujet donc du corps dont vous parlez, donc le corps traumatisé qui se retrouve dans cet espace colonisé et qui le met en lumière à travers votre travail artistique. Et j'aimerais bien si vous voudriez plus nous faire comprendre comment dans votre travail de décolonisation, vous nous confrontez par exemple dans cette vidéo à la statue qui glorifie la colonisation. Donc comment nous en tant que public, nous pouvons comprendre cette démarche de décolonisation Excusez-moi. C'est une question en fait pour moi qui résume aussi et qui questionne la question des corps malades avec des blessures invisibles, des blessures en fait qui sont enfouies au plus profond en fait, des corps pas uniquement des corps qui ont été colonisés, mais aussi des corps décolonisateurs. Moi, je pense que de part et d'autre, ce sont des corps qui sont quelque part malades, mais qui n'ont pas les mêmes maladies, et qui n'ont pas les mêmes blessures. Et moi, ce que je trouve aussi important, c'est comment, à partir des pratiques artistiques, on peut aussi, évidemment, questionner l'histoire, mais aussi, en même temps, réparer, soigner, ces corps-là. Par exemple, quelle interaction, effectivement, dans notre quotidien, quand on est dans l'espace public, comment, en fait, nos corps interagissent inconsciemment ou consciemment avec les bâtiments, l'architecture qui se trouve, en fait, dans nos espaces publics. Et questionner les récits corporels par la performance, je trouvais aussi ça très intéressant parce que le chorégraphe André Takusa, avec lequel j'ai travaillé, dans sa pratique chorégraphique, il faisait appel souvent à des pratiques aussi traditionnelles de nos ancêtres. Et donc, on était dans cette question aussi de comment travailler et utiliser notre mémoire des pratiques traditionnelles émanant de nos ancêtres pour se soigner, comment invoquer les esprits, etc. etc. Et du coup, on a vraiment travaillé ensemble. Et les bâtiments, tout comme ces corps-là, ont une histoire et ils ont une mémoire. Et cette affirmation-là, en fait, prend tout son sens lorsque l'on parle aussi d'architecture coloniale. Et aussi, quels sont les enjeux du corps pour la construction aussi de l'individu. Je pense que c'est aussi
pour moi, c'est des questions aujourd'hui qui sont aussi fondamentales et très importantes, en tout cas dans, dans les questionnements et la production artistique d'aujourd'hui. Quels sont en fait les enjeux d'un corps déconstruit par l'œuvre d'art, comme un peu dans le corps colonial dont parlait Frantz Fanon. Et dans ce film, où il serait aussi question de la mémoire corporelle, c'est aussi important de proposer en fait un travail, mais qui en même temps, qui parlait aussi de l'avenir. L'avenir dans le sens où, comment en fait, ces corps, une fois guéris, comment ils continuent en fait à interagir dans les espaces publics. D'où, avec la performance, avec le chorégraphe André Takusa, d'où l'idée aussi de proposer des monuments éphémères. Des monuments éphémères, mais qui quelque part invoquent, convoquent en fait les esprits des résistants camerounais qui ont été effacés, oubliés, et les reconvoquer en fait dans nos espaces publics. Et c'est dans ce sens-là que ce travail en fait de décoloniser en fait les corps mais aussi les esprits prend tout son sens via effectivement en disant voilà malgré qu'il est difficile de faire comprendre en fait aux institutions à quoi c'est aussi à titre symbolique important d'avoir des monuments dans l'espace public qui représentent aussi l'histoire de ces résistants camerounais qui se sont battus, qui puissent aussi avoir leur nom de rue et quelque part en fait recoloniser en fait nos espaces qui nous ont été confisqués. Et en fait, l'absence des espaces publics pollués par la présence des monuments ou des traces des colonisateurs, quelque part, demande, provoque et aussi incite à ce que, à nous, artistes, de proposer, même si c'est éphémère, le temps d'un film, le temps d'une performance, mais d'invoquer ces esprits en proposant ces monuments éphémères qui, quelque part, peut-être, vont donner la force aux institutions de les réaliser pour de vrai et pour le bien-être, en fait, des citoyens. C'est un peu comme selon le philosophe Valentin Mondimbé qui parlait de recoloniser, mais en fait, pour lui, recoloniser, c'est reprendre ce qui nous a été confisqué pendant la période coloniale. Et le film, en fait, rythme, parle aussi de cette réappropriation des espaces publics et de cette façon-là de se réapproprier, donc de recoloniser ce qui nous a été, en fait, longtemps confisqué. Merci Pascal. Cela m'inspire directement aussi le travail qui se fait donc, en Allemagne par les initiatives de la société civile qui lutte également pour le mémoire de cette période et donc la mémoire postcoloniale avec des exemples, comme vous le nommez, les rénominations des noms de rue, des places, donc vraiment s'intégrer dans la mémoire locale pour aussi donc pour les corps malades, comme vous avez bien exprimé, il y a plusieurs types de corps malades qui doivent travailler sur cette mémoire. Merci beaucoup. Assunta, je suis sûre que cet échange ou ce lien entre le corps, la réaction du corps et l'architecture coloniale est quelque chose qui vous inspire, donc une réaction et également, je sais que Pascal est intéressé aussi par voir comment à Kigali, au Rwanda, on travaille peut-être d'une façon complètement différente sur ce passé architectural et colonial. Et si vous ne voudriez pas donc partager votre perspective. Merci. Merci beaucoup.
ce que Pascal partage mériterait beaucoup de temps pour partager sur chaque point. Mais j'aimerais juste rappeler quand même que quelques différences fondamentales, parce que le Rwanda a été colonisé, la présence allemande n'a duré que. C'était juste 16 ans et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Cameroun, par exemple. Et il est vrai que quand je suis arrivée au Cameroun, chaque fois que je voulais découvrir une ville, j'y trouvais des traces justement de ces monuments, de ces bâtisses qui visiblement n'étaient pas de là. Et au Rwanda, la présence allemande a duré 16 ans. Mais cela suffisait pour changer radicalement le regard que le Rwandais portait sur lui-même. Parce que, au mieux, on lui avait déjà fait comprendre qu'il n'était rien. Au pire, c'est que ce qu'il était mauvais, c'était païen, c'était barbare, c'était enfin, dépassé. L'autre chose, c'est que au Rwanda, mais je crois aussi un peu dans d'autres pays, il y a eu la passation de témoins entre colonisateurs après la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a eu une colonisation qui continuait, comme la colonisation ne se souciait pas de s'expliquer vis-à-vis des locaux, des indigènes, comme on disait, belge, français ou allemand, pour les gens au quotidien, c'était la même histoire qui continuait. Et bien sûr, le Rwanda a eu l'indépendance. Le Rwanda était engagé dans un processus qui va aboutir à un événement qu'on ne peut plus laisser passer. On ne peut pas parler du Rwanda aujourd'hui sans parler du génocide, qui est un effondrement, une déflagration monstrueuse. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de ces traces du temps passé, bien sûr, il y a encore des constructions qui sont là, mais moins imposantes, parce que le Rwanda aussi avait été accolé à un autre ensemble, que du coup, il n'y a pas eu beaucoup. Il n'y a pas autant de traces de la colonisation allemande que ça par l'architecture. Par contre, la manière, l'esprit rwandais, l'identité du Rwandais, la perception qu'il peut avoir de son pays, de son paysage, de ce qu'il habite, est quelque chose qui a été complètement travesti et renversé par cette triste époque coloniale. Et du coup, aujourd'hui, quand on veut s'interroger sur les traces du temps passé, quand on veut tenter de revenir à cette réappropriation obligatoire d'un passé douloureux, mais en même temps d'un passé du peuple, on est obligé de dire qu'est-ce qui a changé. Ce n'est pas obligatoirement visible. Le Rwandais est un être qui a la culture du contrôle du corps. Et c'est difficile d'identifier la douleur qu'il y a exactement dans le corps. C'est parce que si les Rwandais ne font pas beaucoup de performances contemporaines, je dirais qu'ils sont plus dans une quête de retrouver ce qui était là avant, mais bien sûr aussi de ce qui était là avant. Une fois qu'on l'a saisi, on le mélange à aujourd'hui, ce qui donne de très beaux exercices d'expression contemporaine. Mais quand on va dans la manière de percevoir l'identité qui ne s'arrête pas au corps, qu'est d'insultes avalées et internalisées comme le propre de cet être inférieur, barbare, ignare, païen, qui n'a même pas été baptisé, qui ne va pas à l'école, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas faire comme nous,
Et c'est à l'aune de ce nous colonial que tout est jugé. On découvre tout de suite tout ce qu'il y a d'amputation identitaire qui vient de ce rapport à la colonisation. Alors, en Afrique, on a un autre souci, c'est que souvent, on a eu, vous m'excuserez, je ne sais pas très politiquement correct, ce qu'on a appelé l'indépendance a été, je dirais, des pseudo-indépendances. Ce n'était pas des choses accomplies. Je ne suis pas en train de dire que je regrette que cela ait eu lieu, je regrette la manière dont cela s'est passé. Comme l'indépendance était souvent comme si on changeait d'occupant du fauteuil, mais qu'en même temps, finalement, la manière d'occuper n'était pas très, très éloignée. Quand Pascal et Obolo dit le fameux château, pourquoi ce château aujourd'hui ne se deviendrait pas, je sais pas, quelque chose qui revient au peuple? Non, c'est le président qui continue à l'occuper. Ça nous parle. Ici au Rwanda, ça a eu tendance à réagir un peu dans l'excès, mais de l'autre côté. À savoir que notamment après le génocide, les pouvoirs rwandais qui s'étaient succédés, le pouvoir colonial, ont été vus comme un passé dont il fallait se défaire. Et parfois, on a confondu destruction et déconstruction. Moi, je crois qu'il faut déconstruire les idéologies coloniales, revenir à ce que cela signifie dans notre vie au quotidien. Essayer de traquer dans la langue, dans les postures, dans l'habillement, non pas pour dire on efface tout, mais pour faire le travail de dire « Ok, je sais d'où ça vient, je l'accepte ou je le mets », de redessiner une place qui ne s'impose pas d'elle-même. Donc au Rwanda, on a eu tendance à dire « Allez, tout ça c'est mauvais passé, on va effacer ». Je suis du côté de ceux qui pensent que l'archive même colonisée vaut mieux que l'absence de l'archive. Par contre, le travail pour se réapproprier cette archive, pour l'interroger, pour expurger presque cette idéologie mortifère qu'est la colonisation, et des deux côtés. Ce n'est pas une affaire qui se fait dans les anciens pays colonisés pendant que les autres restent tranquilles. Donc, c'est une démarche vraiment qui va aussi avec la facilité que nous donne aujourd'hui la révolution numérique. Regardez, on se parle. Il y a quelques années, on aurait dû s'arrêter, oublier. Le multimédia nous permet aujourd'hui de rêver haut et fort, et je crois que c'est ce que la performance filmée qu'on a vue nous invite à cela, au Rwanda et ailleurs, mais qu'on veille à ne pas avoir un mouvement globalisé sans aspérité, parce que chaque pays, chaque peuple, chaque génération, chaque zone a des spécificités qui nous rendent plus riches, qui nous rendent plus forts. On n'a pas besoin de devenir uniformisé, colonisé, je ne sais pas quoi. On a besoin de nous exprimer avec toutes ces aspérités qui nous rendent plus attrayantes, n'est-ce pas? Merci Assumpta. Vous voulez directement réagir, Pascal? Non, parce que elle a tellement tout dit, elle a tellement bien parlé, elle a tellement tout résumé que effectivement cette envie en fait de se réinventer autrement, de se redéfinir autrement, de se raconter autrement dans son intervention en fait, je pense que elle a très bien en fait résumé et puis expliqué. Très bien. Et ce qui m'a beaucoup aussi intéressé, c'est la capacité d'individu malgré
tout ce qu'elle a subi, la capacité en fait justement à se réinventer et à se redéfinir autrement, quoi, pour être soi-même sans justement se dépasser plutôt pour avancer vers le futur. J'aimerais bien revenir donc sur les zéros de la décolonisation que vous, Pascal, vous nommez dans votre œuvre et vous citez, même si c'est dans des statuts éphémères, par exemple. Et c'est ce qui m'a intriguée, ça serait donc où, dans ce travail artistique et intellectuel, peut-on situer donc les femmes et la position de la femme? Et je pense, c'est un sujet qui nous intrigue toujours, où trouvons-nous les femmes? Où est-ce qu'il y a la femme visible? Et est-ce que c'est le genre qui est plus touché par l'invisibilité, qui est donc aussi votre sujet? Ça m'intéresserait d'entendre vos réflexions sur le rôle de la femme dans toute cette histoire. Ben en fait, ça participe, comme effectivement la problématique de l'invisibilité m'intéresse. Les corps qui sont, pourquoi il y a à tel moment des corps visibles deviennent invisibles de par leur voix, de par leur histoire, m'intéresse. Comment s'opèrent les effacements des récits de ces corps invisibilisés? Effectivement, quand on regarde le corps féminin, c'est un corps effectivement qui est souvent oublié, souvent invisibilisé, souvent même quand elle agit, quand elle a un rôle militant très important dans l'histoire, on a tendance soit à minimiser en fait son rôle, soit à l'effacer totalement. Et donc la problématique pour moi des effacements de récits m'intéresse aussi dans ce sens-là, dans le sens où comment la construction d'un récit d'une histoire en fait d'un pays, comment cette construction s'opère en effaçant les récits en fait des femmes. C'est-à-dire que les femmes, les héroïnes qui ont aussi participé, qui se sont battues pendant ces périodes-là, elles existent, on les voit très peu, on les lit très peu. De la manière dont l'histoire elle est enseignée, elles sont inexistantes, carrément. Et du coup, il y a plusieurs formes d'écriture et d'effacement des récits qui, moi, m'intéresse de questionner et de travailler. Et donc, en fait, c'est vraiment ces plusieurs couches d'effacement qui s'opèrent dans la manière de fabriquer, de construire une histoire, de construire l'histoire d'un pays sans, dans l'écriture, en oubliant les femmes qui ont joué un rôle important et qui participent à la construction du pays et généralement elles sont les dernières roues de carrosse dans les histoires qui nous sont en fait racontées, produites, questionnées par les historiens, parce que je pense que l'histoire en fait est écrite par les hommes et du coup c'est comme aussi l'histoire hégémonique de l'histoire coloniale a été écrite par les vainqueurs. Ce n'est pas les vaincus qui ont écrit cette histoire-là. Et c'est pour ça que quand on regarde la manière dont l'histoire coloniale elle est racontée, aussi bien à l'école que dans pas mal de productions artistiques, culturelles, etc., elle est quelque part un peu biaisée parce que elle est basée en fait sur le récit en fait des vainqueurs qui du coup ont minimisé et effacé le récit des vaincus, et dans les récits des vaincus qui se construisent actuellement aussi, et ben le récit des femmes qui ont participé, qui ont contribué, et ben
sont, elles aussi, effacées, oubliées. D'où la nécessité, effectivement, aussi, j'insiste sur ce concept de contre-récit. Pour moi, les contre-récits, en fait, c'est les manquements, les absences dans la construction, en fait, globale d'une histoire où, en fait, dans ces manquements-là, il manque des fragments de récits des femmes qui sont totalement invisibilisées et dont il faut en fait réécrire pour de nouveau en fait les rendre visibles et construire un récit global, une histoire globale où tout le monde peut se reconnaître, tout le monde peut quelque part se réapproprier parce que là, pour le coup, tout le monde a sa place et tout le monde joue un rôle par rapport à son apport. Et non pas cette construction un peu d'une histoire à double vitesse où il y aurait une catégorie de une population, je dirais, masculine qui serait uniquement archi présente et qui se construirait sans les femmes. Je pense que ça appelle directement une réaction rwandaise, comme le Rwanda aujourd'hui, pays de empowerment des femmes. Et c'est ce que je trouvais intéressant, Assumpta, de réfléchir sur justement donc la pratique artistique plus le focus sur la parole au Rwanda. Est-ce que ça facilite des récits à travers les femmes, des biographies des femmes, qui va donc un peu à l'encontre de ce que décrit Pascal pour son cas. En fait, ici comme ailleurs, la question de ce que nous faisons de nos femmes est une question qui a des racines tellement profondes et entremêlées que c'est difficile de parler de la femme ici ou ailleurs sans prendre... Ça demande vraiment d'y aller à deux fois. Mais puisqu'on parle de décolonisation et de colonisation, donc, j'aimerais par exemple dire qu'au Rwanda, la place de la femme dessinée par la colonisation a été une place qui lui a fait un bond en arrière de plusieurs années. Parce que la femme, elle était dans la société, ce n'était pas la petite boniche de son homme. La femme, elle occupait une place importante au niveau du pouvoir central. La femme... Dans la religion traditionnelle, il y avait une femme, mais il y avait un homme, mais il y avait une femme parmi les acteurs mythiques de la foi traditionnelle. La femme rwandaise existait et c'est la colonisation qui va lui redessiner une place toute minuscule au service de l'homme. Même indigène, l'homme indigène vaut beaucoup mieux que la femme indigène dans l'idéologie coloniale. Et par exemple, je crois que la colonisation le faisait exprès, c'est plus tard qu'à l'époque allemande, mais parmi les choses que la colonisation belge a tenu à détruire, c'était le fait de séparer un roi qui régnait, mais qui ne pouvait jamais régner sans la présence d'une reine-mère. Et la colonisation avait trouvé que c'était une force qu'il fallait absolument séparer. Et l'une des actions les plus importantes, après avoir fait exiler le roi et la reine-mère, c'était d'instaurer un roi qui s'engageait à ne pas garder la reine-mère avec la même importance. Le raconter serait trop long. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, heureusement, on retrouve pas seulement les femmes d'aujourd'hui, parce que parfois, il y a quelque chose aussi de trop coquet pour être sincère.
Mais par exemple, on retrouve certains, on est en train de travailler à retrouver difficilement les traces des anciens héroïnes, des anciennes héroïnes du Rwanda. La première personne qui a conçu un code constitutionnel dans l'ancien Rwanda, c'était une femme. En plus, elle était poète. Ce qui fait que c'est l'art, la politique et l'histoire qui se conjuguent. Rien ne me fait autant plaisir que de voir de jeunes universitaires qui se saisissent aujourd'hui de ces figures, de cette figure par exemple, parce qu'il y en a un avec qui je travaille aujourd'hui, qui cherche, il a fait l'université, donc du coup il est capable d'aller dans les archives, il est capable de poser des questions, il est capable de questionner et même de remettre en cause et derrière pouvoir écrire, mais aussi créer le chant, la danse, le corps, réhabiliter ce qu'il y a, mais tout en disant je ne suis pas de cette époque, je suis d'aujourd'hui, je le fais avec ce qu'il y a à ma possession. Donc le travail de décolonisation ne peut pas réussir si on ne travaille pas justement toutes ces injustices, et notamment l'injustice faite aux femmes. Et même aujourd'hui, je suis très très contente qu'on soit plusieurs femmes autour de cette plateforme. Mais ces questions, quand on les porte et qu'on veut que ça arrive à un niveau, il faut toujours, je n'ai rien contre les hommes, mais il faut toujours un bonhomme qui vient pour ouvrir, pour dire à quel point nous avons fait un bon travail. Toutes ces choses-là viennent de loin, ont aussi été travaillées par la matrice coloniale et par tout ce qui a suivi. Et aujourd'hui, c'est à nous de dire, écoutez, vous pouvez venir avec nous, mais ce n'est pas vous qui nous menez. Et le fait de réhabiliter ces figures, au Cameroun, il y a des femmes qui avaient des places très particulières, très enviables aujourd'hui. Mais elles ont été effacées. Donc, il faut en fait permettre des nouveaux narratifs. Il faut aider à émerger les nouveaux narratifs. Et cette émergence ne peut pas se faire si on n'arrive pas à se donner la main entre les acteurs des anciens pays colonisés et les acteurs des anciens pays colonisateurs. Aujourd'hui, Pascal, vous, Katharina et d'autres, nous n'avons pas à répondre de ce crime qu'est la colonisation. Par contre, nous portons ça dans nos histoires. Les jeunes dans les écoles en Europe, on ne leur a pas raconté ce qu'était la colonisation. Ils subissent les discours racistes, populistes qui ont déjà fait verser l'Europe dans l'horreur, sans pouvoir faire le lien entre la présence de ces immigrés hier, migrants aujourd'hui, c'est des mots aussi qu'il faudrait d'ailleurs interroger, et ils ne peuvent pas faire le lien entre ça et l'histoire. Je crois à la limite, pour ne pas garder trop longtemps la parole, je crois que le travail de décolonisation demandera encore plus d'investissement pour la partie qui se pense dans l'espace confortable, à savoir l'Europe, qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, on le subit, on est obligé de le penser. En Europe, on préfère tirer le rideau et s'en aller. Et donc, comment on peut faire pour ouvrir le rideau et ne pas nous taper dessus parce que nous sommes héritiers de ce malheur commun. Assumpta, merci beaucoup pour cette réflexion. Et malheureusement, nous nous approchons de la fin, mais je ne veux pas vous laisser partir sans prendre le fil que tu as commencé à apprendre, de parler donc de la société civile. Ce sujet donc, qui nous accompagne tous, toutes, que nous faisons toutes partie. Et ça m'intéresserait juste d'avoir vos réflexions brièves sur justement cette lutte que nous devons, ce travail que nous devons faire ensemble de mémoire dans le Nord, dans le Sud, ensemble, et qui justement est le facteur et l'acteur qui pousse, partant de l'expérience allemande où ce n'était pas la politique, mais justement les initiatives, les activistes, les académiques, qui poussait
la politique et le grand public de s'interroger et de faire justement ce travail sur la mémoire postcoloniale, d'entendre juste brièvement vos réflexions donc sur l'impact de la société civile dans ce travail de mémoire postcoloniale. Alors, le concept de société civile est un concept qu'on a aussi, qu'on a le devoir de bien définir dans sa liberté. Parce que souvent, quand on dit société civile, droits de l'homme, on les vit comme des concepts hérités d'ailleurs. Donc, il faut aussi se donner la peine de s'entendre sur la question de la société civile. Mais si on y va, on va se dire que la société civile n'est pas l'ennemi du gouvernemental, de l'institutionnel. La société civile, c'est un ensemble d'acteurs qui agissent sans la contrainte de l'institution, qui agissent dans la liberté, le seul devoir étant de rester dans le cadre légal, parce que nous sommes des citoyens, nous sommes justement civils. Et dans les questions de mémoire, dans les questions de réhabilitation, dans les questions de travail de l'histoire, il faut que ce soit la société civile. Une institution étatique peut dessiner un cadre, mais ce n'est pas lui qui va, comment dire, déterrer le petit morceau puant que les prédécesseurs ont enterré. Vous m'excuserez, on n'a pas le temps, mais je ne peux pas non plus le taire. Nos gouvernements à des niveaux différents sont aussi héritiers souvent de cette politique de violence. Ils se sont assis souvent dans les fauteuils occupés par le colonisateur d'hier. Et que donc, ce travail exige une distance que la société civile peut tenir. Moi, quand je dis société civile, j'y mets les intellectuels, j'y mets les artistes, j'y mets les défenseurs des droits humains, de l'environnement et autres, qui participent à la cité dans laquelle nous vivons, mais qui n'y participons pas comme si on vivait de cela. Ce n'est pas notre job. Les politiques et les employés des mairies et ministères, ils vivent du travail qu'ils font. C'est celui qui les paye, c'est l'État. Nous, nous sommes libres. On est libre, au manque peut-être de moyens, mais on est libre. Et ce que nous le faisons pour que nos cités, dans le sens antique du terme, pour que nos cités vivent, pour que nos cités aillent de l'avant. Et moi, quand je travaille, si je dis toujours la cité Rwanda, j'en suis citoyenne et j'ai le devoir de faire ce que je fais et du mieux que je peux. Et vous avez le devoir de me corriger quand je me trompe et même de me dépasser. La société civile a un rôle central dans le travail de décolonisation. Et je préfère ne pas prendre tout le temps pour moi. Merci beaucoup, Katharina et Pascal. C'est vrai que pour moi, j'ai toujours pensé que les grandes transformations, ou même les grandes luttes, on a toujours vu, venaient en fait de la société civile. C'est-à-dire que c'est grâce aux révolutions, c'est grâce à des manifestations, c'est grâce à l'implication des citoyens, des gens de la société civile qui a pu y avoir une transformation de nos sociétés, une évolution dans nos sociétés. Et c'est pour ça que quelque part, moi ce que j'appelle la périphérie, les acteurs de la périphérie, qui pour moi sont le centre, parce que c'est aussi un sujet dont on n'a pas eu le temps d'évoquer, la question du centre, dans le sens où le centre, c'est qui a le pouvoir, a le pouvoir en fait de raconter et de d'écrire une histoire hégémonique des vainqueurs. Et pour moi, quelque part, la question du décentrement aussi est aussi importante. Et cette question-là du décentrement,
elle appartient et elle vient de la base, c'est-à-dire les collectifs, les associations, les activistes. C'est quelque part, c'est ces personnes-là aujourd'hui qui se mettent en danger, qui prennent les risques, qui se battent pour en fait changer nos sociétés pour l'avenir de demain. Et l'avenir de demain, c'est effectivement, c'est produire du commun. Et comment produire du commun dans une société où la question de l'effacement, la question du pouvoir, que ça soit patriarcal, que ça soit du système colonial, est omniprésent au sein des institutions. Et c'est pour ça que moi, je pense que le travail qui est effectué en fait par la société civile, elle est aujourd'hui très importante et elle prend aussi de plus en plus de place parce qu'aujourd'hui, c'est eux aussi qui subissent les conséquences de ce système et c'est aussi eux, c'est là où on trouve encore de l'énergie, de l'espoir pour construire en fait le monde de demain où il est important de se dire, de se questionner de comment on va continuer, comment on peut continuer à produire du commun pour le vivre ensemble. Merci Pascal et merci à vous surtout de jouer votre rôle, participer à cette construction en tant qu'artiste avec votre œuvre sur la mémoire de la décolonisation et de décolonisation. Merci à Pascal et merci à Assumpta pour cet échange vif et qui vient juste d'entamer. J'aurais envie qu'on continue. J'espère que c'est juste un début. Je vous invite donc à continuer et à nous faire profiter aussi d'apprendre sur vos échanges. Donc, merci beaucoup à Assumpta Mugiraneza et Pascal Obolo pour ce dialogue fructueux et merci au public d'avoir été avec nous et on vous souhaite donc une bonne continuation du Festival Latitude aujourd'hui pour finir ensemble de réfléchir, pas finir, commencer de réfléchir ensemble sur la décolonisation. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.